Depuis toujours, notre capitale a su garder le vent dans les voiles. Un vent de croissance qui la pousse à se dépasser et à se transformer. Une fois encore, Québec s'apprête à entrer dans une ère de mobilité plus moderne et mieux adaptée aux besoins grandissants de chacun d'entre nous. Bienvenue dans votre nouveau réseau de transport structurant, en route vers la modernité. Parce que Québec est aussi florissante qu'attirante, l'alourdissement de notre réseau routier est inévitable. Voilà pourquoi plusieurs idées de transport en commun ont été présentées depuis 2011. Une réflexion proactive, nourrie par des études et l'écoute attentive des citoyens, était essentielle. Aujourd'hui, nous proposons de transformer le transport en commun de Québec en une solution globale reliant la ville à l'ensemble de ses pôles d'activité. Un réseau renforcé et étendu jusqu'aux banlieues, pensé pour faciliter la mobilité de tous, sans exception. Pour augmenter sa capacité et donner le rythme désiré à la circulation, le nouveau réseau intègre quatre solutions complémentaires. Le bus et le métrobus repensés, mais aussi le trambus et le tramway. Le trambus est un véhicule biarticulé à haute capacité, un transport électrique sur roues qui assurera une rapidité et une fréquence élevée en tout temps. Véhicule électrique à très haute capacité, le tramway profitera lui aussi de la voie exclusive pour garantir une fréquence optimale et une fiabilité éprouvée, été comme hiver. Le tramway bénéficiera même sur sa ligne de deux parties souterraines, un avantage majeur qui lui permettra de monter les côtes et d'alléger la circulation dans les axes achalandés, quelle que soit l'heure de la journée. Ces quatre solutions de transport prendront place dans un réseau entièrement optimisé pour répondre aux besoins des citoyens. Passer d'un mode de transport à un autre aisément grâce à des stations bien pensées. Vous pourrez même stationner votre voiture ou votre vélo gratuitement dans les parcs aux bus situés aux extrémités des lignes pour profiter ainsi de tous les avantages du transport en commun, même si vous venez de plus loin. Découvrons ensemble l'étendue du nouveau réseau structurant de Québec. Il unira désormais les différents pôles d'activité et les secteurs plus achalandés entre eux, comme Charlebourg, Le Bourgneuf, Destimoville, la Basse-Ville, la colline parlementaire, la cité universitaire ou encore le boulevard Laurier. Mieux encore, il s'étendra cette fois jusqu'à chaque extrémité de la ville, comme les secteurs Clémenceau, Louis XIV, la Vigerie, le Gendre et même l'aéroport de Québec. Le tout permettra ainsi aux résidents des banlieues de simplifier leurs déplacements et de profiter eux aussi du transport en commun. Le réseau structurant de Québec a été pensé dans un seul et unique but, améliorer la mobilité de tous les citoyens, quel que soit le moyen de transport qu'ils utilisent. Usagers du transport en commun, automobilistes, cyclistes, piétons, avec ces nouveaux services complémentaires, tout le monde y gagne, sans exception. Grâce aux services combinés du trambus et du tramway, les usagers actuels du transport en commun profiteront d'un réseau plus étendu, de fréquences plus élevées et de déplacements plus rapides. Ils voyageront dans des véhicules plus confortables et attendront leur transport dans des stations plus accueillantes. Pour les automobilistes, le nouveau réseau aura le grand avantage d'alléger le trafic. Pour une seule heure de pointe, un trambus et un tramway enlèveront des milliers de véhicules sur nos routes. Ils pourront même stationner leur voiture gratuitement au parc aux bus pour profiter eux aussi des transports simplifiés. Les piétons ou les cyclistes de Québec ont eux aussi été pris en compte dans le nouveau réseau. Il leur offrira notamment plus de zones piétonnes et cyclables, dans des rues plus belles, plus vertes, moins bruyantes et surtout plus sécuritaires. Au final, le nouveau réseau structurant donnera un souffle d'avenir rassembleur, à la hauteur de nos aspirations. Une évolution qui changera à jamais notre façon de vivre Québec. Le réseau structurant de Québec, en route vers la modernité.